Et merci du coup, c'est ma somme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le premier speedrun de la chaîne, à savoir sur Pokémon Vert, version japonaise, mais traduit en anglais. C'est un peu bizarre parce que les Pokémon s'appellent des pets. Les noms des Pokémon sont différents. Et le professeur Shen, c'est le professeur Aoshide. Bref, c'est un peu chelou. Mais bref, vu que la technique que j'ai utilisée pour ce speedrun n'est possible que sur la version Vert japonaise, et bien je joue sur cette version-là. J'ai utilisé le Doko Kachira Glitch, c'est-à-dire que c'est un glitch un peu bizarre. Pour vous expliquer vite fait, je vais échanger de place un objet, mais finalement je vais pas le faire en fait. Ça va faire un bug avec les Pokémon. Et quand je vais rentrer dans la porte de la maison du rival, ça va me TP à un endroit qui est pas le bon, normalement. Et donc ça va me permettre d'avancer beaucoup plus rapidement et de finir le jeu en moins de 10 minutes. Si j'explique pas bien, il faut m'excuser. Bref, donc je vise pas le record du monde, car le record du monde il est de moins de 5 minutes et il est détenu par un Italien. Donc ce mec est un génie, je sais pas comment il a fait. Je connais cette technique grâce à un youtubeur qui se nomme Lopoc, qui est un youtubeur rétro gaming. Et donc qui s'amuse à trouver des bugs et à corrompre des jeux. Et après, il explique le pourquoi du comment. Voilà, donc c'est très intéressant. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à checker sa chaîne, elle est dans la description. Et donc, c'est lui qui m'a fait découvrir cette technique, car je suis donc un de ses abonnés. Donc, avant de commencer, je vais être dans setup et régler des trucs pour que ça aille plus vite. Normalement, c'est comme ça, je crois, mais je suis pas sûr. Mais voilà. Donc, voilà, on va start l'aventure. Voilà. Donc, c'est bon. Je crois que je me suis pas trop foiré au niveau du chrono. Je suis peut-être foiré de quelques secondes, mais de toute façon je vise pas faire record du monde, mon record on s'en fout un peu. Hop là. Putain. Faut que je me dépêche là. Faut que je fasse gaffe à pas faire define. Voilà. Donc voilà. Déjà on va devoir prendre une potion qui est juste là. On va avoir besoin de deux objets, dont une potion, puisque c'est un objet comme un autre, et qu'on s'en fout de l'objet, et vu qu'on a cet objet dès le début, eh bien, il faut l'utiliser, parce que c'est plus pratique, simplement. Le deuxième objet, on va l'avoir à Jadiel, juste après avoir choisi notre starter, donc on va là pour que le professeur nous dise de venir choisir notre starter, pour qu'on puisse se défendre contre des rats et des pigeons, voilà. Le blabla normal du professeur. Quand tu... le bug est assez simple à réaliser si vous le faites correctement. Donc normalement, je vous invite à le refaire chez vous. Hein. Je joue sur un émulateur en ligne, le lien est dans la description, donc voilà, vous pouvez le faire très facilement. Voilà, donc là il va commencer à me dire que voilà, il y a trop de Pokémon, machin. Je vais prendre du bizarre parce que c'est mon préféré, c'est la version verte. Et aussi, c'est celui qui se fait défoncer le plus rapidement, même si ça je sais pas trop. Hein, parce que moi, quand j'essaie de faire le speedrun, il sait pas défoncer très rapidement. Donc voilà. Non, il faut pas lui donner de surnom, sinon on va encore perdre plus de temps. Voilà, donc lui pense à la mèche. Et là quand on s'en va, il va falloir se faire qu'on se combatte. Je sais pas par désolé. Je suis un peu concentré. Et vu que je suis mauvais en commentaire, je fais que bafouiller. Donc, on va faire en sorte que ce soit lui qui nous tue, comme ça on va pas ramasser d'XP. Et comme ça, si c'est lui qui nous tue et qu'on ramasse pas d'XP, ça veut dire que on va pas perdre encore plus de temps. Voilà, ça c'est bien quand il nous fait beaucoup de dégâts. Voilà. Donc il faut que ce soit lui qui me tue. Ah, là il a fait cher. Jusqu'à qu'il soit dans le rouge, je l'attaque. Et puis après, une fois qu'il est dans le rouge, je fais ma deuxième attaque qui lui fait aucun dégât. Voilà. Allez, vas-y, attaque-moi. Plus que deux coups. Allez, dépêche, dépêche. Il fait que faire chier, psss.
Ça fait aucun dégât. Ouais, je vais me tuer. Ah voilà. Avec un bouton, je fais voilà, un PV. Ah bah non, merde, j'ai tué. J'ai tué, fais chier, je vais ramasser d'XP. Apparemment, il faut perdre. Bon, il voulait pas me taper, alors vous savez quoi, hein. C'est pas grave. Ça fait gagner que des millièmes de secondes. Et vu que je veux pas faire au corps du monde, je m'en fous un peu. Bon, maintenant, ce serait cool qu'on tombe sur peu de Pokémon. Voilà, j'aurais pas dû parler, donc là, on va tomber sur quoi? Contre un Kellar. Voilà, c'est comme ça que s'appellent les Rattata dans cette version. Donc, on fait fi, bien entendu. On n'a pas besoin de lui. Génial. Attends, on sur quoi? Sur un Bobo! Bobo, recoule. Là, voilà, on s'échappe encore une fois. Et donc là, on a plus que deux passages à mon réserve à passer. Non, putain, j'ai fait un détour pour rien. Génial. Faut que je me concentre. Vous savez si je parle pas, mais parce que je me concentre à faire le moins d'erreurs possible. On passe par là, c'est mieux. Donc maintenant, on va être dans nos objets et changer la place de deux objets, même si on le fait pas vraiment. Maintenant, on est dans un combat. Et donc là, on va faire un bug. C'est-à-dire qu'on va changer notre Pokémon contre un Pokémon, notre Pokémon. On va faire combat pour éviter que ça crache. Donc voilà, là on vient de faire un bug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45... 49, 47, 48, 49, 50, et l'on rentre. Yes, ça a pas foiré! Regardez bien! Yes, ça a pas foiré. Non, parce qu'en fait, j'ai déjà recommencé plusieurs fois le speedrun, parce que ça marchait pas. Donc, regardez maintenant, on marche sur les arbres, on s'en fout! Maintenant, on rentre dans la deuxième porte. Et la conclusion, hein, vous avez réussi, bidule. Machin, voilà, da, allez, dis-moi que j'ai fini. Et c'est bon. Voilà, désolé. Faut que je reclique, vu, comme je vous ai dit, c'est un animateur. Donc, 7 minutes 12, je crois que c'est ça. Alors, je sais pas si j'ai arrêté un peu trop avant, un peu trop après. Désolé, hein. Bon, en gros, je fais 7 minutes 15, à peu près, 7 minutes 12. Voilà, donc c'est bon, j'ai fini le jeu. Ah, le bug a marché pour une fois, parce que j'ai déjà recommencé le speedrun deux fois, ou trois, parce que des fois je faisais un pas en trop. Voilà, donc pourquoi les 50 pas? Normalement j'ai mis au montage, mais c'est parce qu'il fallait que je fasse 50 pas. C'est le nombre de pas exact pour que je me fasse TP au bon endroit. Parce que avant je faisais des fois 51, je calculais mal mes pas, et donc je me retrouvais à un endroit, un autre endroit qu'il fallait pas, quoi. Et voilà, donc the end. Et c'est fini. La vidéo fait 10 minutes. Voilà, donc c'est la fin de ce speedrun, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à le faire chez vous, tout simplement, parce qu'il est vachement simple, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo de Lopok, car il explique très bien comment il faut faire, parce que moi j'explique très mal, même j'ai quasiment pas expliqué,
parce que j'étais un peu plus concentrée. Donc voilà, si t'as pas ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, si jamais vous voulez. Bref, à plus, psychopathe, c'était Bastien. Ciao.